Yo tout le monde, ici HTGD76 Gaming, on se retrouve sur l'accès anticipé de la bêta de MW3 2023, on est sur PS5, il faut savoir que l'accès anticipé ne concerne que les joueurs PlayStation qui ont précommandé le jeu, donc du 6 au 7 juste pendant 24 heures, et ensuite du 8 euh, au 10, ce sera la bêta ouverte pour tous les joueurs PlayStation, que vous soyez sur PS5 ou sur... PS4. Dans cette vidéo, on va décortiquer un petit peu l'interface, euh, l'inventaire, opéra les opérateurs et tout ça. Et ensuite, dans une autre vidéo séparée, on va un petit peu euh, jouer sur tous les modes, euh, un petit peu tester toutes les catégories d'armes. Allez, c'est parti. En mode chip, qu'est-ce qu'on a de disponible On a trois maps seulement. On a Estate, Favela, et Skidrow. La, trois, la quatrième, c'est Rust. Elle sera disponible qu'à euh, partir de la bêta ouverte tout simplement. Ensuite, en mode de jeu, on n'a que domination, point stratégique et match à mort par équipe. Alors, c'est un petit peu dommage qu'il s'est pas mis élimination confirmée, en sachant que c'est très très rare de faire des parties où les joueurs jouent objectif, donc en domination, et point stratégique. Donc, je pense qu'on va pas beaucoup s'amuser sur ces deux modes-là. Ensuite, en guerre terrestre, vous n'avez qu'une seule map, c'est Popov, pauvre, 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 Power, donc mode de jeu, de guerre terrestre, donc ça c'est des batailles à grande échelle, donc ça ça risque d'être quand même assez fun. Pour débloquer l'inventaire, il faut arriver quand même minimum niveau 4, donc c'est quand même pas mal l'interface quand même en arrière-plan. Alors, qu'est-ce que nous avons on va aller dans découverte bêta. Moi j déjà, vous avez vu, j'ai déjà préparé quand même euh, mes attirails perso. Hein. Moi j'ai toutes euh, les armes. Donc découverte perso. Alors on va commencer par le gilet d'infanterie. Donc maintenant vous avez des gilets. Donc là, gilet d'infanterie augmente la durée du sprint de tactique et réduit le temps de récupération. Les effets dupliqués ne sont pas cumulables. Si équipé en combinaison avec chaussures de course, vous obtenez des effets de botte légère. Le gilet d'ingénieur, déceler l'équipement, les améliorations de combat. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on avait avant, mais qu'ils ont fait vraiment avec des euh, gilets. Euh, Déployez-vous avec le maximum de munitions, rechargées plus rapidement. Gilet de démolition, refaites le plan d'équipement mortel et tactique toutes les 25 secondes. Ensuite, au niveau des armes, du côté fusil d'assaut, on n'a que trois armes, dont une seule de débloquer. Les deux autres se débloqueront plus tard. Donc, vous avez la SVA 545. Qui tire ses deux premières balles. Alors, je ne sais même pas, je n'ai même pas eu le temps de lire. Donc, ça se débloque euh, au niveau 18. Celle-ci est débloquée dès le début. La troisième se débloque au niveau 12. Donc, c'est la MCW. Si on peut dire ça comme ça. Du côté fusil combat, on n'en a aucune de débloquée. Donc, euh, je crois que c'est toujours comme ça. Donc, on a la MTZ-762. On a la basse B. Du côté des mitraillettes, on a euh, la Striker qui est débloquée. Ensuite, la Rival 9 qui est débloquée au niveau 14 et la AMR 9 qui sera débloquée au niveau 21. Du côté du fusil, des fusils à pompe, vous avez la Lockwood. La Lockwood qui est extrêmement lente, hein. honnêtement, je vous le dis tout de suite. Donc vous voyez la cadence, elle est, elle est tout juste horrible. Et ensuite, vous avez la Rifter qui se débloque au niveau 26. Donc la cadence est un petit peu mieux, mais ce n'est pas extraordinaire. Du côté des mitrailleuses, on a euh, la Holger euh, 26 qui est débloquée. Et ensuite, on a la pull, pull miote 762 qui sera débloquée au niveau 23. Du côté des fusils tactiques, on a la MTZ Interceptor qui est débloquée. Et ensuite, on a la MCW 6.8 qui sera débloquée au niveau 25. Du côté des fusils de précision, on a la KV Inhibitor qui est débloquée. Et ensuite, on a euh, la Longbow qui sera débloquée au niveau 28. Du côté des armes de poing, on a la Renetti. Donc, c'est euh, un pistolet à tir à rafale qui est débloqué de base. Ensuite, vous avez la WSP Stinger qui se débloquera au niveau 16. Et ensuite, la Core 45 qui se, débloque, qui se débloquera... Excusez-moi. Euh, là, pour le coup, on va regarder... Eh il ben, n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau pour la débloquer. Donc, ça, c'est un peu curieux, ça. Donc... Euh Là, je suis un petit peu étonné. Euh, on n'a pas vu les lanceurs. Allez, les lanceurs, on a que la pila. Donc le lance-missile sol air portable, infrarouge. Donc voilà, c'est la seule chose. Du côté des tactiques, on a la grenade flash, on a la rage de combat. On a euh, grenade de marquage. On a grenade fumigène. Et mine papillon déploie, déploie dans une large zone un champ de mines qui explose à l'approche de l'ennemi. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Euh, du côté des mortels, on a la grenade Frag, le drone explosif nouvelle version, on a la Semtex et la grenade thermobarique crée une vaste explosion qui paralyse, laisse des résidus enflammés et augmente la létalité des explosifs pendant un certain temps. Ok. Euh, équipement de combat, donc on a le système Trophy, on a euh, le brouilleur de communication, la boîte de soins donc à l'alarme, la boîte de soins ça je crois c'est une nouveauté. Euh, boîte de munitions, on a euh, DCE, dispositif de capture électronique. Les dispositifs de capture électronique capturent les poids petit à petit et piratent temporairement les équipements ennemis à proximité. Ok. On a une nouveauté, on a les gants, les boîtes équipements. Donc les gants, donc le gant de prise rapide augmente la vitesse de changement des armes. Récupérer les Gant de pillard, récupérer les munitions et les couteaux de lancer et des joueurs morts. Gant de commando, vous pouvez recharger en sprintant. Du côté des bottes, on a bottes légères augmente la vitesse de déplacement et de nage vous faites moins de bruit lorsque vous nagez, bottes d'escalade augmente la vitesse de franchissement et d'escalade réduit les dégâts de chute. Ensuite, bottes de tracker augmente la vitesse de déplacement latéral et de mouvement en mode visé. Coussinets tactique augmente la distance de glissade et vous permet de viser correctement en glissant augmente la vitesse de changement de position et la vitesse de mouvement en position. Accroupi. Les chaussures de couverture éliminent le bruit de vos pas. Je pense qu'il y a énormément de joueurs qui vont l'utiliser, puisqu'avant c'était un atout euh, qui était temporaire. Et là, bah, ça va être euh, tout le temps. Donc, ça, c'est un petit peu, on retrouve un petit peu les choses qui nous plaisaient dans MW 2019. Ensuite, en équipement, on a protection anti-bombe, donc les feux et les explosions non liés à une série d'élimination vous infligent moins de dégâts. Masque tactique, euh, communicateur du contrôle de mission, donc réduit les coûts de bonus de série d'élimination. Euh, casque à collection osseuse réduit les bruits des combats, vous permettant de mieux identifier le bruit des pas et des tirs ennemis. Alors, ça, c'est cool. Détecteur LR vous avertit de la présence de lasers et de sources de radiation hostiles. Et euh, camouflage anti-détection, lorsque vous vous déplacez, vous n'êtes pas détecté par les drones, mais les radars ennemis et les capteurs cardiaques. Voilà un petit peu ce qu'il y a du côté euh, inventaire euh, au niveau du jeu. Donc franchement, euh, on voit qu'ils ont vraiment réparti un petit peu les atouts dans les gants, euh, les gilets et tout ça. Donc ça, ça peut être cool. Du côté des séries d'élimination, on a le drone de détection, donc drone de reconnaissance. On a le drone mosquito, drone explosif qui survole la zone dans laquelle il a été déployé. Il plonge en piqué sur les ennemis qu'il détecte et Explose au combat. Tourelle anti-aérienne, lance une frappe de missiles ciblés contre les appareils aériens. Le gardien, arme de déni d'accès non mortel, se présentant sous. Alors ça c'est chiant parce que ça défile vite. Se présentant sous la forme d'un faisceau, les ennemis qui entrent le faisceau subissent des effets similaires à ceux provoqués par une grenade paralysante, vitesse de déplacement réduite, vision flou, interface invisible. Ensuite on a le drone de brouillage, on a le bombardement stratégique, euh, on a la tourelle téléguidée. Et on a le mastodote éclaireur, donc tenu de mastodote éclaireur livré par colis stratégique, elle est équipée d'un radar qui signale les ennemis à proximité, contient un bouclier anti but un SAS-12 et une grenade fumigène. Alors comme d'habitude, vous pouvez choisir soit avec des séries d'élimination, ou soit plutôt avec des séries, des séries de points. Moi je joue plutôt avec des séries de points parce que c'est vrai que moi je joue beaucoup objectif et c'est vrai que j'ai plus de chances d'avoir des séries de points qu'avec des kills. Parce que vous savez, euh, des fois les kills c'est un petit peu compliqué. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, alors je vais vous montrer les opérateurs, et après on va un petit peu parler de tout ça. On a Jabber, euh, on a Plan. On a Ghost Price, Rocket. Et de l'autre côté, on a Thirst, Doc, euh, Warden. Makarov et Blaze. Après, dans la boutique, voilà, c'est vraiment des trucs qui ne sont pas très très intéressants. Alors, moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que pendant ces 24 heures-là, je, je dis quand même, euh, surtout plus que 24 heures, puisque euh, du euh, 6 au 7 pendant 24 heures, c'est pour qu ils, ceux qui ont précommandé sur PlayStation. Et ensuite, après, euh, du 8 au 10, c'est euh, quand même euh, la bêta ouverte pour tous les gens PlayStation. Profitez de ce moment pour vraiment bien vous amuser sur le jeu. Parce que après. Vous savez, ça va être un petit peu compliqué, il y aura les joueurs PC qui vont nous rejoindre, ça va être du crossplay. Et là, je vous, je vous conseille carrément de désactiver le crossplay. Parce que sinon, ça va ruiner votre expérience parce qu'on va tomber sur des cheaters et tout ça. Et moi, c'est ce que je compte faire hein, de toute façon, puisque je sais qu'il y aura quatre phases pour les joueurs PlayStation. Ouais, beaucoup de gens vous pètent, mais ça risque peut-être de changer l'année prochaine avec l'acquisition euh, d'Activision par Microsoft. Mais en tout cas, voilà ce que je pouvais vous montrer au niveau des menus. Donc, dans une autre vidéo séparée, on va un petit peu découvrir les maps, découvrir un petit peu toutes les armes, on va un petit peu alterner. Donc, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires en restant poli et courtois. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.